Intrinsèquement, normalement, l'Inside devrait être un peu moins performante que la Williams. Cantillon, lui, ça fait des années qu'il roule avec la Formule 1, avec cette Formule 1. Eric, lui, la découvre ce week-end. C'est vraiment deux mondes, en fait, qui se retrouvent sur la piste. Alors, l'Inside, je connais un petit peu parce que c'est une voiture qui a eu, malheureusement, qui a eu des pilotes qui ont eu des accidents avec cette voiture, des ruptures de châssis, de frein, par exemple. Et maintenant, tout ça s'est réglé, heureusement, mais les pilotes de l'époque, dans les Ensign, ils avaient des problèmes. Alors, justement, je voulais rebondir, Jean-Pierre, sur l'adaptation, finalement. Comment les pilotes arrivent, comme Eric et Larry, voilà, les professionnels, à passer d'une voiture à l'autre? Ça, c'est quelque chose que tu pouvais travailler à ton époque aussi? Non. Franchement, je...